choose your character. Salut à tous, c'est Moustique 50, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 37ème épisode de Judgment. La dernière fois nous allons rencontrer Matsugane. Donc il y a eu beaucoup de cinématiques, on a affronté quelques Yakuza et Higashi. D'ailleurs Higashi qui nous a mis bien cher. Donc avant d'aller chercher les micros pour infiltrer la famille Matsugane dans les bureaux là, on va aller d'abord voir notre médecin préféré. Qui est. Attendez, Park Public Tree. Ah, en plus, il est à 50 000 km. Bon. On va essayer d'aller voir le médecin. Putain, il y a des ennemis. Bah, fuck, hein, non, on va se soigner. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va prendre de quoi se remettre. De la vie. Hop. Puis ça va être bien. Allez hop. Allez. C'est parti, on commence par un combat. Ah, Higashi nous a bien fait mal là lors de l'épisode précédent, j'avoue que il nous a montré le respect. Allez, toi. Dors. Toi. Prends ce flow. Ensuite toi avec ta chaîne en or là. Tiens toi le crâne rasé. Et voilà victoire. C'est bien. Alors bon, il faut qu'on retrouve notre ami Lukic. Ah. Encore des crétins à frapper. Hop. Raté. C'est pas grave. Tiens. Prends ça et ça. Voilà, parfait. C'est vrai qu'il y a les Kane dans le coin encore en fait. Ouais mais non, je vais pas aller. Ah quoique. Honda est pas très loin. Je vais peut-être aller affronter Honda. Je vais aller affronter Oda. Honda pardon. Ota. N'importe quoi. Ok, parfait. Honda qui est par là-bas. Tac. Pousse-toi. Ensuite on va passer par là. Hop, hop, et hop, voilà, parfait, victoire. On y arrive bientôt. Balle de pachinko. Je sais plus à quoi ça sert les balles de pachinko. Ok, parfait. Ok hop, on se concentre. Eh, on s'est protégé là-haut. Non, 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 c'est bon, j'en ai marre, c'est bon. Tiens, prends ça plutôt. Voilà, merci. C'est bon, j'en ai marre de me faire sauvagement agresser là. Voilà, victoire. Oh, en plus on le termine sur ça, c'est beau. C'est pas évident à placer ce truc là. Hein. Pas évident du tout. Ah oui, ça je crois qu'on va le remettre au recouvreur de dette. Ah bah tiens, ça va nous faire un peu d'argent comme ça. Avance, Honda. Oh, ça va, j'avance. Pas la peine de pousser. Tiens, ce cher Honda traîné comme le seul cabot qui est... En fait, il s'est montré plutôt coopératif après que je lui ai botté le cul. Hey Yagami-san,
C'est quoi cet endroit? 800 000 yens, c'est bien ça? C'est ce que tu dois à Turtle Financing. Alors arrête de faire idiot et paye. Ah, c'est de ça dont tu voulais qu'on parle? Exactement. Bah, bien. Je te propose un marché. Toi et moi, un autre combat, tu gagnes, je rends l'argent, je gagne, je sors d'ici libre. T'en dis quoi? Eh, ça me va. Tant que le combat a lieu dans un tribunal et tu seras accusé. Pourquoi tu parles de tribunal d'un coup? Il se trouve que je suis aussi avocat au barreau, spécialiste des combats juridiques. Ta proposition tient toujours? Ah, merde. Reprends ton sale fric alors. Merci pour votre aide, Yagami-san. Tenez pour vous remercier. Pardon. Merci beaucoup. Pas de soucis. Je suis juste surpris que vous ayez réussi. Honda n'est pas une chiffre molle, croyez-moi. Or, lui a envoyé 10 de nos meilleurs hommes et il les a tous éliminés en moins de 2. Que puis-je dire? Réfléchissez à deux fois avant de prêter de l'argent à des types tels de... avec des réputations comme ça. Oui, on dirait que la tortue a une prise de leçon. Quatre tortes d'enfer dans la ville. Pardon, oui, je chante Tortue Ninja. C'est tout l'argent qui vous devait, n'est-ce pas? Ouais, vous avez vraiment assuré. La prochaine fois que vous êtes à court d'argent, venez me voir et je vous prêterai ce dont vous avez besoin. Mes taux d'intérêt sont bas et vous pouvez me rembourser quand vous avez le temps. C'est pour ça qu'on me surnomme la tortue. Ça m'a l'air intéressant si on veut. Par contre, quand l'heure est venue, j'ai tendance à devenir un tantinet agressif. Une tortue qui mord, quoi. Dans ce cas, je préfère encore ne rien vous emprunter. Eh, croyez-moi en expérience, vaut mieux éviter de contacter une dette. En revanche, vous pourriez peut-être m'aider en fournissant des renseignements. Vous avez l'air de bien connaître la ville, je pourrais avoir besoin de vous pour certaines de mes affaires. Bien sûr, faites-moi part de mes détails et je verrai ce que je peux faire. Je mettrai mes employés sur le coup aussi. Merci, vous me rendriez un fier service. Mais on peut vraiment lui emprunter de l'argent à lui, je me pose vraiment la question en fait. Ok. D'accord. Ah attendez hop, je prends juste ça, le vieux circuit. Oh, c'est vous Yagami, pas vrai, le type qui a gagné notre PDG? Ouais, j'ai travaillé avec Kagamuchi-san. Autrement dit, c'est vous qui avez débusqué tous ces chefs Kain et les avez battus comme un plâtre. Waouh, vous devez être sacrément costaud. Et pas tant que ça en fait. Je voulais justement vous parler, Yagami-san. Vous prendriez un thé? Oui, pourquoi pas. Ah, ok. Au final, j'aurais passé la moitié de la journée ici. ok. Bien, bon, on va aller voir Tsukumo. Ah, il y a des ennemis par là. Oh, ils sont tous faibles ceux-là. Ah zut, je pensais faire une double. De pancarte, je suppose. Non, je sais pas ce que c'est ça. Waouh! Vous avez vu, on l'a remis debout le truc. Magnifique. Le talent. Hop là. Allez, on y est bientôt, on y est bientôt. Poussez-vous! Pardon madame, pardon monsieur. Hop là, par là. On prend les escalators parce que moi je suis feignant. Bon, ça va lentement en fait, donc au mieux y aller seul. Tsukumo. よ。矢上氏、今度は何ですかな。あまり大きな声じゃ言えないんだけどさ。盗聴器が欲しいんだ。つくも、そういうの詳しくない。詳しいに決まってるでしょ。僕を誰だと思ってるんですか。だよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料って、お前の手作り？メイドインつくも。 これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけにお友達価格ですから。分かった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは？すぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は？なんだそれ？ネット通販です。お急ぎ便でしたら、あっという間に届きますから。
ヤガミ氏はお金だけ用意してくださ。いくら？材料費と僕の手間賃込みで10万ほどあれば、それでお友達価格なんだよな。もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。じゃあ了解。ではお金が用意できたら声をかけてくださ。必要なパーツは手配しておきます。 Bon, ça devrait pas être très dur de lui payer là, de lui trouver de l'argent puisqu'on l'a déjà. Okane, junbi dekita no desu kana? Zairyō hi to temachin komi de 10 man yen desu zo. Ah. Kore de tanomu. Tasukarimasu. Dewa, kansei shita ra rendaku itashimasu yue, chotto bakashi omachi kudasare. Wakatta. Yoroshiku. D'accord, bon bah on va devoir attendre que Tsukumo fasse tout ça. Allez, on va fumer parce que j'aime bien fumer. Je crois que ça redonne un peu de la jauge d'ex en fait. Pardon. Ce chat en direct vient vraiment de me ficher la frousse, tu te rappelles quand ce taré débarquait à la fin? Ah mais ça faisait partie de la performance. Et tout était flouté de toute façon. C'est vrai, mais j'avais payé cher pour voir ça. D'accord, d'accord. On va aller manger un truc. Pour se redonner de la vie, je vais aller au Smileburger. Ah et si vous vous demandez pourquoi je vais souvent au Smileburger au même truc, c'est parce que justement... Pour éviter d'avoir des cinématiques avec des personnages secondaires, pour vous éviter ça, donc c'est pour ça que je vais souvent au même endroit. Ah, merci pour le cadeau. Il en faut peu pour être heureux. Hop là, voilà. Voilà, on a récupéré toute sa vie, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant l'appel de Tsukumo? Parce que j'ai déjà fait pas mal de trucs. Il y a une salle d'arcade ici, je crois. Ah, il y a des pinces. Ah, attendez, il y a quoi comme prix qui peut être intéressant? Bon bah allez, hein, on va faire ça. Insérer monnaie. Et on va prendre les champs. On va prendre lequel? Alors déplacer pince à gauche. Ah oui, d'accord, faut maintenir. Bon, c'est un fail. Je me rappelle plus des touches, donc bon, premier fail, c'est pas grave. Donc là, on va attraper le vide. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Attraper le vide. On va essayer d'attraper le chat roux à gauche. Ok, alors déplacer pince à gauche. On va déplacer en arrière, à peu près par là, je pense que ça devrait être pas mal. Ah, raté, ah, mais on l'a fait tomber. Bon, déjà, on l'a fait tomber, c'est une bonne chose. Ok, on attend que ça se remette. Ah, j'ai peut-être un peu raté, quoique. Ah, quoique non, j'ai l'air d'être plutôt pas mal. Ah, dommage. On va y arriver, on va leur faire. On va aller voir ce chat roux. Moi, voilà, en attendant, je reste là tant qu'on n'aura pas le chat. Et comme ça, après, on l'offrira à 4. Je pense que 4 s'approuvera. Oh là là, mais je suis nul, j'ai pas la notion. J'ai du mal à me repérer dans l'espace. Allez, on va y arriver. J'ai pas besoin de le faire reculer tant que ça. Voilà, là je devrais être bien. Là je vais bien normalement choper la tête. Ah, j'y arrive pas. Ah, mais il est en train de tomber encore plus vers la fin là quand même. En fait, petit à petit, on le fait déplacer pour le faire tomber. C'est pas trop mal.
Là on devrait être pas mal, là on devrait être pas mal. Ah non, on est en train de le reculer. Ah non, mais quel nul. Bon bah on va insérer de la monnaie. Ça coûte pas très cher, vous inquiétez pas. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Katz, donne-nous la force du chat. Oh non, mais non. J'arrive pas. C'est frustrant de pas y arriver en fait, c'est surtout ça. Non, j'ai mal. J'aurais dû décaler encore un peu plus à gauche. J'ai pas assez décalé. Je le déplace, mais c'est tout quoi. J'ai pas besoin de le reculer tant que ça en arrière, par contre. Je l'ai plus approché qu'autre chose. Ah, dommage! Bon, allez, on tente encore une fois. Et si on n'y arrive pas, bah tant pis, hein, je ne serai pas digne de la Katz Family. Allez, allez, on y croit. Allez, allez. Et non. Ah, je sais pas comment faire, j'ai bloqué, j'ai l'impression. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Ah, Laurence serait là, elle y arriverait mieux que moi. Le pire, c'est que je suis pas loin. C'est frustrant, j'ai envie de. Tu sais, t'as envie de pousser, tu sais, t'as envie de bouger la machine et tout. Ah, c'est frustrant. Non, je me suis chié là, par contre. Je me suis pas concentré du tout. Ah! Ah, allez, vraiment la dernière parce que je vais pas non plus claquer tout mon fric là-dessus. Katz dirait que oui, ça vaudrait le coup. Ah non, il aurait dû y aller. Je suis désolé, il aurait dû y aller. Je me fais escroquer là. Allez, pousse-le là. Oh là là, je suis allé trop loin en arrière, n'importe quoi. J'ai vraiment fait le coup dans le vent quoi. Là c'est bon, je devrais être pas mal. Ah non, mais j'arrive pas, il est trop en arrière, je vais trop en arrière. Pourtant j'appuie à peine. Non bon, attendez, je refuse de perdre là-dessus quoi. Pas si proche du bord quoi. Voilà, j'ai juste appuyé un tout petit coup, normalement ça devrait passer. Oh, presque. Faut vraiment que j'appuie très très peu pour reculer. Ah non, j'ai appuyé trop longtemps, je suis trop con. J'ai voulu recadrer la caméra et du coup j'ai pas réussi. J'ai appuyé trop longtemps sur croix encore. J'ai appuyé trop longtemps sur croix en arrêt et du coup ça fait reculer la pince. Alors que je dois juste faire un petit coup mais je sais pas, j'ai pas le réflexe, j'ai le réflexe de rester appuyé comme un couillon. On va y arriver, on va y arriver. Croyez-moi, on va y arriver. Je ne quitterai pas ce mini-jeu tant que je ne l'aurai pas eu. Là, là on est bien. Là on est bien. Mais j'ai appuyé qu'une fois. Eh, je vous promets que j'ai appuyé qu'une fois. En fait, je crois que je l'ai coincé plus qu'autre chose. Ok.
Allez, allez, allez. Non, je crois que je l'ai coincé, il est trop au bord en fait. Non, il est coincé. Ah bah je ne suis pas un successeur de la Cat Family. Je ne suis pas digne de la Cat Family. Ah, fuck. J'ai envie de taper là sur le truc là. Ah, regardez, il est au bord. Ah, mais il est coincé. Bon, j'espère que Tsukumo va bientôt m'appeler. On va écouter la musique. Bon allez Tsukumo, c'est le moment d'appeler là. Tomo. Touk 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 touk. Ah, il y a des ennemis par là-bas. Les ennemis. On va aller se battre. Waouh. Allez, la triple. Ah cool, un extrait de l'enseil. Caoutchouc usé, ok. Bon. Je savais pas que c'était si long que ça. C'est un peu chiant, je vous avouerai. Tiens, prends ça toi. Un chaud, comme dirait Kat, tiens. Ah ouais, ça fait masse mal, hein. Faut vraiment bien le placer celui-là. Hein. Ah, si tu le places bien, waouh! Il fait du dégât, j'avoue. Il montre le respect quand même. Le style du tigre, hein, de toute façon, est vraiment puissant. C'est bien connu. Ouais, je fais tout tomber, moi, je suis dissident. Bon. Voilà, c'est bon, je suis bloqué. Voilà, parfait. Il y a encore des ennemis par là. Ah, ça y est, Tsukumo appelle, enfin, pas trop tôt. Eh bah voilà. Voilà, c'est pour ça que je restais dans le coin, parce que bon, ça m'aurait fait chier de partir à l'autre bout de la map pour revenir au point de départ en fait, donc puis bon, je suis quand même dégoûté, j'ai pas réussi à attraper le chat quoi. Mais bon, j'en ai déjà attrapé plein, donc Katz me pardonnera. お褒めに預かり光栄ですぞ。では商品をどうぞ。コンセントに差し込み偽装するタイプのものです。受信範囲は100メートル。電波は超強力。間に鉄板のような遮蔽物があっても問題なし。
ビルの上の方のフロアでもクリアに聞こえるでしょ。いいね。そういうのが欲しかった。電源はリモコンで遠隔操作できますから、聞きたい時以外は電波の送信をオフにしてくだされ。たとえ八神氏のような名探偵であろうと、この盗聴器を見破ることは困難でしょうね。なんか一言余計だな。まあでもサンキュー、助かったよ。どういたしまして。 Allez, on nous allons mettre la famille Matsugane sur écoute. Attendez, mais on vient voir un truc avec lui. Tiens, pousse-toi toi. Est-ce que tu peux me donner un truc? Voilà, merci. Ah bah mon inventaire est plein. On en a déjà plein. Tant pis, tant pis. Allez, nous allons mettre les... Ah non, faut aller à l'agence des détectives Yagami. Ah, je pensais que c'était nous qui allons les mettre sur écoute, les trucs. Mais visiblement non. Eh bien, allons au bureau. Waouh. Boum. Oh ouais, ça fait trop mal hein. Et puis c'est stylé en plus. Je vais me battre un peu plus avec le style du tigre, parce que je me suis pas mal battu avec le style de la grue. Donc là je vais faire plus de style de tigre. Donc ensuite par là-bas. Pardon, agence de détective Yagami, laissez-moi passer. Hop là, parfait. Parfait, parfait, parfait. Domo, ojama shitemasu. Teiyu ka, muriyari tsurete korareta ndakedo.盗聴器手に入ったか？バッチリ。よし、じゃあ座れよ。松金組に盗聴器仕掛けろって話だよね。もう話は聞いたんだな。そう。じゃあ杉浦君、説明してあげて。あのね、悪いけど無理。こっそり忍び込めったって組事務所じゃずっと留守番いるでしょ。出入りも防犯カメラで見られてるし、挙句にもし捕まったらよくて半殺し？冗談じゃないって。だそうです。だそうですじゃないよ。どうすんだよ海藤さん。まあまあ怒るな。というわけで別の手を考えといた。忍び込むのが無理なら潜り込みゃいいんだ。ん？まあ聞けや。タボ、こいつに見覚えねえか？誰これ？派手なジャージ。確か松金組の。おうよ、組一番のおしゃれ大好き田代君だ。夜だろうがグラサンを外さねえ。ところでこいつはターボーと似たような体格でな。俺に似たような体格ってまさか。もしこの田代君がマスクでもしたら、中身がすり替わったって誰も気づかねえよな。うん、きっと気づかねえよな。グッドアイデアだね。はあ、じゃあこの田代君に変装して潜れって。うん、まずはやつを見つけてジャージとサングラス一式を拝借。あとは簡単だ。堂々と事務所に入って盗聴器を仕掛けまくる。なんだよ、結局俺がやんのか。よろしくお願いします。まあでもだいぶ頭使ったな海藤さん。ほら、いつか松金組に戻る日があるかもしれねえって今日までそう思ってた。ん？なんだよ急に。でもよ、親父に面と向かって逆らったんじゃもう無理だ。あそこまでしたからにはもうとことんやるまでよ。だろ？
そっか。よし、じゃあ田代くんの身ぐるみ剥いでくっか。行くぞ。Ouais, on va faire. Ouais, non, on va s'arrêter là en fait. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire ou à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien.